Météo, l'hiver s'installe en France, jusqu'où vont chuter les températures. En France, l'automne laisse place à l'hiver avec l'installation d'un courant froid de nord à nord-ouest. Ce dimanche 26 novembre, il fait froid avec un gel généralisé le matin sur les trois quarts du pays. Des régions de l'est connaissent des chutes de neige, tandis que des pluies atteignent l'ouest par la Manche, accompagnées de vents renforcés en soirée. Les températures moyennes baissent de moins 3,5 degrés Celsius par rapport à la moyenne saisonnière, oscillant entre 1 et 7,4 degrés Celsius. Une dégradation pluvieuse touche le nord-ouest le soir. En détail, près de la Manche, le ciel se couvre rapidement avec des pluies éparses. Plus marquées en Bretagne, les températures oscillant entre moins 2 degrés Celsius et 9 degrés Celsius. Des pays de la Loire au centre Val-de-Loire jusqu'au bassin parisien, le ciel se voile progressivement avec un gel généralisé le matin et des températures entre moins 3 et 8 degrés Celsius. Dans le Grand Est, la Bourgogne, le Jura et Rhône-Alpes, des flocons apparaissent le matin dès 400 mètres, suivis d'une accalmie l'après-midi, avec des températures entre moins 2 degrés Celsius et 7 degrés Celsius. La moitié sud profite d'un temps ensoleillé avec une progression des nuages l'après-midi.